Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlogmas. On se retrouve donc pour moi aujourd'hui, on est le vendredi 2 décembre, c'est bien ça, il est 11h20. Je vous reprends tard aujourd'hui, enfin tard, tout est relatif, mais par rapport à hier matin, je vous ai repris à 8h, ça change un petit peu. On avait un rendez-vous ce matin important avec Alexandre et puis ensuite on a été faire les courses. Vous savez, hier je vous ai montré que j'avais reçu les petits bons d'achat de lait de vache. En collaboration en fait tout simplement avec eux et ce matin j'ai eu un petit souci, mais heureusement que je me suis pas trop entre guillemets laissé faire ou quoi. En fait logiquement c'est bon d'achat, il n'y a pas de souci quand vous les donnez à la caisse, donc bon, typiquement moi c'était Leclerc mais peu importe où vous allez. Et ces bons d'achat en fait je les avais reçus pour la collaboration. Et je les avais déjà reçus une dernière fois où ça avait très bien marché, la caissière avait pris en compte et du coup on avait eu pour 10€ de lait de vache. Et là je lui ai donné à la caissière et elle a complètement refusé et tout. Donc ça m'a paru bizarre. Alors bon, en soi, si j'avais dû les payer, je les aurais payés. Enfin, c'était le cas au début, tu vois, je les avais payés et basta. Mais je me suis dit, tu vois, c'est bizarre et tout. Et je suis allée à l'accueil et elles ont dit, mais non, mais madame, ça marche, on va vous rembourser et tout. Donc du coup, ils m'ont remboursé quand même les 10€ parce que je les ai payés alors que en soi j'avais un bon d'achat de 10€. Donc c'est dommage, voilà. Pour moi, hein, je vais pas le refuser, surtout que je l'avais pour la collaboration, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, comme quoi faut pas se laisser faire, il faut parfois redemander une deuxième fois à l'accueil, même si ça fait un peu porc et pique de faire ça, mais bon, quand on a le droit, on a le droit, clairement. Donc voilà pour ça, la grande partie est déjà pas mal faite, donc c'est cool pour aujourd'hui. Ce soir on va au restaurant avec notre famille. Donc voilà, et là du coup je vais faire l'ouverture des calendriers de l'Avent. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer de suite. On va faire Blissim en premier. Allez, hop, j'ai rien ouvert, du coup je vous attends hein, chaque matin pour le faire avec vous. Donc dans Blissim, bon, on va faire en vite fait, je vais pas vous reparler de tout ce que je vous ai dit hier. Donc je vais chercher la case, puis en plus j'y vois rien avec. Il n'y a pas une grande luminosité aujourd'hui. Donc je ne sais pas, ah il est là le 2, super. Mais alors c'est un vrai truc, ça c'est pas très pratique disons. Ici je sais pas trop ce qu'ils ont fait mais c'est pas pratique tu vois. Alors la case numéro 2, il n'y a rien d'écrit. Donc on va voir ce que c'est du coup, j'essaye de ne pas regarder plein de unboxing parce qu'il y en a plein qui le font le matin sur Instagram ou direct aussi, qui postent le matin sur YouTube. Donc moi je regarde pas avant, tant que j'ai pas ouvert mes calendriers de l'avant je ne regarde pas parce que sinon je me fais avoir clairement. Donc c'est de la marque, oh trop bien, c'est de la marque Nux, vous savez c'est leur gamme bio et c'est l'huile corps nourrissante régénérante à la noisette. Ok, bon je ne connaissais pas du tout, c'est pas mal ça. Ça ne sent pas extrêmement bon, pour être très honnête. Peau sèche. Ok. Bon, alors à tester cette fameuse huile corps. À voir ce que ça donne. Du coup, j'ai trouvé. Je vais tout mettre dans un. Vous savez, dans mon sac Splendid, là, que j'avais. Je crois que c'était Splendid, oui, c'est ça. Que j'avais reçu. Je l'aime trop. Et du coup, je mets tout là-dedans. Donc voilà. Ah, j'aurais dû les retourner. Attendez, c'est ce que je vais faire. Je vais retourner les cases. Parce que vous savez. Comme ça derrière, comme ça, hop, quand c'est fait, au moins je sais qu'ici c'est fait. Alors, il faut que je relève, je ferme, voilà. On va faire ensuite Mariono. Pour midi, je vais faire à manger, je vais faire des gnocchis lardons, crème fraîche. C'est trop bon, genre vraiment, c'est hyper simple à faire. Si vous voulez je vous montrerai, enfin si vous voulez d'ailleurs vous n'allez pas me répondre donc je vais vous montrer. La case numéro 2 ici, je ne sais pas où elle est, j'ai déjà trouvé la case numéro 3 pour demain et la 2 elle est ici. Ah oui c'est vrai, je me rappelle, et alors j'avais dit n'importe quoi, heureusement qu'une de vous m'avait repris d'ailleurs sur ça. Donc c'est une crème sorbet crème, alors attendez que je dise pas de bêtises, du coup c'est une crème hydratante pour le visage, voilà. Parce que je sais plus ce que j'avais raconté, si c'était pour les mains, je sais plus ce que j'avais dit. Mais voilà, effectivement c'est bien pour le visage. Donc ça ok, c'est plutôt cool. Voilà pour ce produit. D'ailleurs pour l'instant tout ce que j'ai mis sur Vinted est toujours disponible. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, il y a des petites choses ouais, qui sont dispo. Donc ça... c'est fait. Gloria. Allez, Gloria. La case numéro 2. Elle est là. Parfum. C'est le titre. Parfum. Oh non. Et ça ressemble vachement à ce qu'on a eu, mais ça va. C'est une crème corporelle. Alors, raffermissante, je pense. Nutritive.
au végétal de fruits. Alors, c'est tout en espagnol, donc c'est pas très clair. Ça, je suis pas trop. Mais logiquement, c'est une crème pour le corps au blueberry. Je pensais que c'était la même chose qu'on avait reçue vers là-bas, d'ailleurs, que j'ai mis en vente sur LinkedIn. Je voulais pas garder un produit d'ailleurs de Gloria. Je sais plus ce que c'est. Attendez, je peux regarder par mon téléphone parce que si je me retourne, il va falloir encore que je coupe et tout. Alors que là, j'aurais pas besoin de couper. Vinted, blablabla. Oh, n'hésitez pas à sur mon Vinted. Voilà, je parle pour combler les vides comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis moi? C'est. Ah non, blueberry, mais c'est un peu autre chose. Moi c'est une crème pour les mains, parce que force c'est crème pour les mains, j'en ai marre. Mais par contre ça, pour le corps, en petit format, je suis contente, j'en avais plus du tout. Donc ça c'est trop bien à tester, j'espère que... Bah d'ailleurs je peux même sentir, parce que je sais que je vais l'utiliser, j'espère qu'il sera pas trop... Attendez, j'en ai mis sur ma main pour voir... Comme ça je sens pas. Oh ça pénètre rapidement. Ça laisse un petit... Oh ça pénètre trop rapidement. Oh. Alors l'odeur n'est pas du tout forte. Ça sent une toute petite odeur subtile. Mais c'est très agréable. Ça sent un petit peu le bonbon, vous voyez. Mais très léger. Hein. C'est pas... Faut pas imaginer un bonbon fort. Très agréable. Alors ça c'est une bonne découverte, je suis trop contente. Donc ça c'est parfait pour Gloria. Ensuite on va ouvrir le Beautiful Box. Hop, je vais aller voir si j'ai du courrier parce que j'ai vu que là. Ma postière était passée. Alors, comment je vais mettre? C'est pas facile. Hop. Alors, le numéro 2 ici. Pourquoi c'est toujours la seule caisse que tu cherches que tu ne trouves pas? Ah si. Oh là là aussi, c'est pénible leur truc. Alors, attends, on va tirer comme ça. Et donc, c'est Jasmin. 14,90. Ah, c'est de la marque Corem, je pense que ça se dit comme ça, Corem. Et c'est un masque pour cheveux, huile de coco bio et beurre de karité bio, parfum jasmin. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ok. Et puis on va se mettre derrière, on va aller voir la fameuse Glossy Box. Et puis ensuite on va aller faire un miam miam. J'espère pouvoir faire une sieste aujourd'hui parce que hier j'ai pas pu me reposer, les jours d'avant j'ai pas pu me reposer. Et à un moment tu vois je sens que ça va tirer. À mon avis. Hop. Faites-le comme il faut. Mais c'est pas très grave, honnêtement. Allez. Moi derrière. Allez, nous revoilà. Du coup, la case numéro 2 pour la Glossy Box. Là. Je kiffe. Je l'ai actuellement d'ailleurs sur ma... à côté de mon lit là. Tu vois le petit meuble à côté de mon lit. Mais elle est trop bien, je la kiffe. Donc c'est de la marque L'Occitane en Provence, crème main peau sèche. Et elle est trop bien, celle-ci je l'adore. Donc je suis trop contente. Bon, c'est pas une découverte pour moi, mais je suis contente. Alors attends, que je remette bien ma petite case. Voilà. Et voilà. Petit bilan, donc j'ai eu une crème main, un masque pour les cheveux, une crème corps, une huile de corps et une crème visage. Donc ce que je suis trop contente, je crois, c'est lui, parce que franchement en plus je l'ai testé et il a l'air pas mal, cette petite crème corps en blueberries. Le moins je dirais peut-être allez, le masque cheveux, mais c'est pas en soi que je suis triste ou quoi de recevoir ça, c'est juste que je pense que c'est le moins en soi. Cette crème elle est trop bien, cette crème pour les mains, ça j'ai très envie de découvrir, même si l'odeur, bon je suis pas fan de van. Et la crème visage, bah à voir, à tester aussi. Donc voilà pour ça. Bon c'est parti, du coup je vais vous filmer un petit peu tout ça. Je vais déjà commencer par prendre au gel des oignons. Donc là, hop,
lardons les deux paquets. Un peu de sel. Hop. Poivre. Ensuite, quand les lardons et oignons, vous voyez, commencent à bien dorer. Bon, là, ça fait quelques minutes, mais j'ai déjà rajouté les kimchi. Et ensuite, là, bientôt, je vais rajouter la crème. Là, je vais pas tarder d'ailleurs. Et voilà, ce sera prêt. Oh, puis il fait nuit. Je viens de me réveiller après plus de je ne sais pas combien d'heures de sieste. En fait, je m'endormais et après je me réveillais d'un coup, mais genre ça me faisait des sursauts, je savais plus où j'étais. Enfin, deux trucs trop bizarres, tu vois. Genre, difficile. Donc là, je vais me faire mon petit 4h, regarder ce que j'ai pour 4h. En plus, elle est énorme, bon, j'ai pas tout mangé, enfin, je pense pas, enfin, je sais pas. Avec du sucre qui fait tomber, c'est un grand. Une torsade, je crois que ça se dit comme ça. J'ai foutu du sucre partout. Alors ça en plus c'est collant. Je me suis fait un thé. Il fait déjà nuit mais il fait gris aujourd'hui en fait. Et comme il... Bah, il est déjà 16h40 en fait. Et ouais, un thé caramel orange. Une pomme. Un Tactimel. Voilà, j'espère me réveiller avec ça. Je ne sais pas trop montrer des trucs aujourd'hui. Mais voilà, ce matin quand je vous ai dit on était occupée. Et puis cet après-midi j'ai vraiment eu ce besoin de dormir. Je vous montrerai après ce que j'ai reçu, enfin un colis que j'avais reçu hier. Et puis j'ai quand même fait par contre ce que je voulais faire, au moins mes photos sur les deux box Blissim que j'ai reçues pour Instagram, donc je suis contente. Je vous reprends, il est 17h30, je suis complètement crevée. J'ai dormi, hein. Mais tu sais, des fois c'est limite pire. Donc aujourd'hui, je m'étais fait une to-do list. On va la lire ensemble pour savoir. Une to-do list, oui, une to-do list, c'est ça. Des tâches en gros que je devais faire. Savoir si c'est fait. Course, c'est fait. Je vous ai même pas montré. D'ailleurs, je vous ai même pas fait refaire un retour de course. Je vous montrerai juste deux nettoyants vaisselle que j'ai trouvé. Qui était plutôt sympa. Je vous montrerai. Je sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui ou non. Tout à l'heure. Il faut que je descende, c'est tout. Mon autre rendez-vous, il est fait. Faire photo de Blissim. De décembre c'est fait et du coffret de Noël Blissim. D'ailleurs il va falloir que je le publie sur mon Instagram. Faire vlog filmé, oui ça c'est fait. Le restaurant c'est ce soir. Ouverture des calendriers de l'avant c'est fait. Et finir le traitement de la vidéo YouTube. Et ben il faut que j'y aille de suite. Tu vois genre ça me prend un peu. Je suis assez enrhumée en même temps. Faut que je retrouve mon chip-chip pour le nez et que je m'en mette. Du coup oui je voulais vous parler de ça, j'ai reçu, en fait je suis en collab avec les labs, bon souvent je reçois des choses de leur part, là je sais même pas ce que c'est en fait. Ah, ils nous ont mis un petit échantillon de la marque La Rosée, et celui-ci c'est la crème visage hydratante au beurre de karité bio, peau sèche et très sèche jour et nuit, bah je testerai, trop sympa. Et oh là, et là c'est des petits jeux, enfin voilà avec la lab, ok. Donc top. Et alors, moi j'ai reçu cette box là. Si vous voulez, je vais vous dire le nom exact et le prix. Alors attendez, détaillons ça ensemble. C'est l'avantage un petit peu des vlogmas, des vlogs un peu tous les jours, c'est que je peux vous parler peut-être un peu plus des collabs que j'ai l'habitude de faire et de vous en parler peut-être plus longtemps, etc. Alors, il faut en même temps absolument que j'accélère sur YouTube à faire mon truc. Vous allez peut-être entendre ma voix, mais c'est normal parce que... Voilà, ça se déclenche toujours. Gérer les vidéos. Là. Oh bah, en fait, c'est déjà fait. Merveilleux. Donc, le idée cadeau. Donc, vous allez sur... En fait, vous pouvez directement créer, enfin, mettre l'application sur votre téléphone. Et ensuite, vous allez atterrir là-dessus, en gros. Là, la lab, oups, faut peut-être que je vous rapproche un petit peu. Et là, vous avez idée cadeau, donc vous cliquez dessus et vous avez la classic box qui est celle-ci. Et en fait, vous pouvez mettre entre 50 à 150 photos à partir de du coup 24,90€. Grâce à mon code que je vous affiche là, vous avez moins 20%, ça paye, enfin mon code promo c'est AmeLove20, je vous le dis tout le temps, c'est toujours le même et je crois qu'il est valable 2-3 mois. Il faudrait bien que je regarde, mais je vous redirai ça.
Et donc je l'ai reçu, donc ça s'ouvre, hop, comme ça. Attendez, c'est que j'ai peur que les photos soient de mon côté. Et parce que j'ai pas envie de vous montrer toutes les photos forcément, parce qu'il y en a qui restent privées. On reçoit toujours des petits autocollants, j'adore les garder, je trouve ça trop chou. Alors, quelle photo je peux vous montrer? Bah celle-ci par exemple. Donc vous avez le choix, soit vous pouvez prendre, enfin soit vous pouvez faire développer vos photos en brillant ou soit en mat. Moi je vous l'ai déjà expliqué, je préfère en mat, je trouve que c'est mieux. Donc par exemple pour vous montrer une photo, voilà celle-ci, vous voyez, j'aime bien cet effet mat moi. Une autre, celle-ci, donc ça c'est typiquement des photos que vous pouvez mettre après dans des albums photos. C'est vrai que je le fais jamais, mais ça peut être typiquement quelque chose qui peut être faisable. Voilà. Donc voilà. En gros, j'en ai fait développer plein. J'adore faire ça. Enfin, c'est trop bien. La qualité est vraiment top. Donc je suis trop contente. Non, là, je peux pas vous montrer. Il va pas vous montrer. Non plus. Quelle photo je vais pouvoir montrer? Celle-là par exemple. Voilà, en gros j'en ai fait développer pas mal, donc je suis bien contente. Voilà pour ça, bah, du coup j'ai plus rien à faire ici, donc je vais faire mon montage vidéo, bah, celui-ci en fait que vous êtes déjà en train de voir. J'ai fait un trop bon goûter et là je me suis fait une petite infusion. C'est qui est froide, mais c'est celle orange, non enfin c'est mélisse orange caramel de Cosmiki, c'est un vrai délice, franchement je kiffe trop. Et il faut que je range tous mes produits que j'ai eu dans les calendriers d'avant du jour. Voilà, comme ça je les perds pas, c'est parfait. Mais écoutez, je vais vous abandonner pour l'instant et puis si j'ai quelque chose à vous redire, je vous refais ça après du coup. Bon, je vous reprends, on est, enfin, il est bientôt 19h, on va bientôt partir. Je vais me lisser les cheveux avec ma brosse qui vient de chez GHD. Attendez, je vais vous montrer la boîte, juste le devant. Hop, ça ressemble à ça, je l'avais pris sur Sephora il me semble. C'est le Glitz Smoothing Hot Brush, enfin, genre, je kiffe, tu vois, et genre... c'est rapide, je trouve que c'est des fois même plus pratique qu'un lisseur. J'ai aussi mon coq d'ailleurs, non, je l'ai laissé chez mes parents, mon lisseur, parce qu'il est assez rapide, il est bien, c'est un Revlon il me semble. Mais ça c'est vrai que c'est, enfin honnêtement c'est ce que j'ai mis le plus cher dans les trucs de cheveux, enfin dans les trucs de cheveux, mais sinon c'est vrai que en sèche-cheveux ou en lisseur j'avais pas mis extrêmement cher. J'avais pris la marque Revlon qui est une marque correcte, mais c'était pas une marque excessivement chère. Mais cette brosse a coûté plus cher, mais sur le coup, je la kiffe vraiment. Bref, je vais me parfumer, j'ai mis des petits bijoux. Bon allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Plein de bisous, ciao !